J'ai choisi de traiter le sujet numéro 5 intitulé Est-ce bientôt la fin des journaux papiers, publié sur le site web www.rtbf.be. Dans cet article, l'écrivain aborde le sujet de la disparition des journaux papiers à cause de l'apparition des journaux en ligne dont les gens profitent bien au détriment du format papier. Suite à la lecture de cet article. La question de savoir si les journaux-papiers vont bientôt disparaître est un sujet de débat populaire de nos jours. Il est vrai que de plus en plus de gens se tournent vers les médias en ligne pour obtenir leurs informations, et cela a un impact sur la vente de journaux-papiers. Cependant, il est important de considérer les avantages et les inconvénients des deux formats avant de conclure que les journaux-papiers sont sur le point de disparaître. Les avantages des journaux papiers sont nombreux. Tout d'abord, ils peuvent être lus n'importe où, même sans accès à Internet. Cela les rend particulièrement utiles pour les personnes qui vivent dans des zones rurales ou qui n'ont pas de moyens de se connecter à Internet. Les journaux papiers peuvent également être partagés facilement avec des amis et des membres de la famille, ce qui permet une diffusion plus large des informations. En outre, les journaux papiers ont une présentation plus agréable que les sites web. Les articles sont souvent plus longs et plus détoffés, les photos sont plus grandes et plus déclarantes, et la mise en page est généralement plus soignée. Les journaux papiers peuvent également être conservés pour des besoins futurs, pour des archives, pour une référence ou pour un usage personnel. Malgré tous ces avantages, il est vrai que les journaux papiers ont également des inconvénients. Tout d'abord, ils peuvent être coûteux à produire et à distribuer, ce qui peut entraîner des coûts élevés pour les consommateurs. De plus, les journaux papiers ont un impact environnemental plus important que les médias en ligne, car ils nécessitent des arbres pour être produits et des camions pour être distribués. Enfin, les journaux papiers ont un délai de parution plus long que les médias en ligne, ce qui peut entraîner des informations obsolètes. Les médias en ligne permettent une actualisation instantanée des informations, ce qui est un avantage majeur par rapport aux journaux papiers. En conclusion, les journaux papiers ont encore leur place dans notre société, même si de plus en plus de gens se tournent vers les médias en ligne pour obtenir leurs informations. Les avantages et les inconvénients des deux formats doivent être pris en compte avant de conclure que les journaux papier sont sur le point de disparaître. Il est important de continuer à offrir un choix aux consommateurs et de respecter les différentes préférences soit le journal papier, soit journal numérique.